Contrairement aux apparences, ces hommes ne sont pas des plombiers, mais bien des musiciens. Bon d'accord, leurs instruments sont en PVC. Le PVC, c'est génial. Et ils ressemblent davantage au Gaffophone qu'à un Stradivarius. Alors ici, vous avez un petit boîtier avec des sorties ici. Des sorties. Donc là, quand on appuie sur le bouton, il y a une petite vanne qui s'ouvre et qui fait sonner les flûtes qu'on veut. Et donc voilà, ici, il y a une gamme de 5 notes. Mais en soufflant plus fort, on peut avoir les harmoniques, pareil, comme ceci. Mais au fait, pour qui sont donc ces tuyaux qui soufflent sur nos têtes ? Aujourd'hui, c'est une répétition ici en interne, parce que la semaine prochaine, nous serons sur les Dènes pour réellement répéter dans des conditions proches de ce qui se passera le mardi 25 février. Et qu'est-ce qui se passera ? Alors, c'est la participation de nos résidents à la Grande Parade. Alors, c'est vraiment un exercice très intéressant, c'est un exercice d'inclusion. C'est nos résidents qui vont se retrouver avec des artistes, des monsieur, madame, tout le monde. Les notions de différence vont disparaître. Allez, on commence par la distribution des instruments. Donc ça va être ton instrument. Il y a déjà leur choix personnel, j'essaie d'être attentif à ça. Mais après, oui, je sais par exemple, Jean-Paul, c'est un très bon percussionniste, donc autant plutôt le mettre dans la percussion, le permettre de faire ce qu'il aime faire. Je sais que René, c'est un super danseur, donc oui, cette douceur, c'est lui qui m'a jugé. On a deux danseurs, Christine et moi. Chacun trouve sa place. Voilà, tout le monde est prêt. Encore quelques secondes pour accorder les instruments, les dernières consignes, et c'est parti. Musique. Tape, 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 ce rythme qui nous emmène jusqu'au bout du couloir, on va aller faire un petit tour à l'atelier couture. C'est ici. Dites-moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? On prépare du tissu, récupération de t-shirt pour le tissage qui va servir au costume de la lutherie sauvage. Donc ici, là, il a préparé lui-même son tissu pour pouvoir réaliser des cols. Des cols qu'on va venir placer sur les salopettes. Récupération de salopettes de paintball. Pour le carnaval, il faut se costumer, il faut se transformer. Donc voilà, c'est l'idée de prendre une nouvelle apparence pour ce jour-là. Voici Nancy qui a réalisé son costume elle-même. Hein, donc voilà, on va montrer un petit peu. Tu te tournes, voilà. Avec tout le tressage qui a été fait avec des tissus de récupération. Et on a ajouté une petite touche de couleur qui va rappeler chaque fois l'instrument avec lequel elle va jouer. L'instrument va aussi être avec un peu de rose, donc elle a choisi la couleur rose, Nancy. C'est un tressage qui a été fait à base d'un t-shirt. Ça, c'est de la laine. Il y a plusieurs matières, donc de la laine, de la fourrure, du velours. Il y a même de la toile de jute, un peu de soie, voilà. Très tendance. Ah, très tendance, surtout cette année. Voilà. Merci.